Je vais essayer de pas vous tuer les oreilles. Est-ce que ça marche mieux? T'as réalisé sur les lèvres, donc pas de soucis. Bah écoute, voilà. Ça grésille encore. Putain, ouais, je le vois le signal. Mais ça sort d'où ce coup-ci? C'est pas possible. Là, c'est un câble USB. Alors, je vais dégager ça. Voilà, jouer comme ça, à la Roots. Toujours Daft Punk. Normalement, ça doit aller mieux là. Ouais, putain, je vous jure, je vais probablement ouvrir la fenêtre pour me débarrasser d'une certaine carte audio là. Et ben, vous allez vous habituer à celui-là de son. Je suis plus écoutable, on va dire. Bon, c'est bien, ça m'énerve pas du tout cette histoire, c'est au lieu de s'améliorer, ça s'aggrave. Bref, vous n'êtes pas venu m'entendre couiner, encore que des fois, il y en a que ça fait marrer. Hein. Hop. Non, j'irai pas me jeter par la fenêtre pour un problème technique, sinon il y a longtemps que je serais passé par la fenêtre. L'avantage des data centers, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Vas-y, Queen, ah bien, je te remercie. Bah écoute Olivier, je t'en prie, tu pouvais déborder encore un peu, donc j'ai tout eu comme l'autre fois mais en pire, donc là j'ai même plus la partie audio, je sais pas ce qui s'est passé. Les écrans c'était complètement naze. Alors par contre je pourrais jeter par la fenêtre les concepteurs de la carte son, non elle marchait super bien jusque là. Et du coup j'ai quand même eu le petit ricochet, donc on va clore le débat tout de suite. De toute façon à part Python il n'y a pas de vrai langage. Allez salut bisous et après je raconte ce que je veux. Faire des débats entre Go et Rust, mais vous avez que ça à foutre. Je vais acheter une Sound Blaster. Et il y a Golo, et je suis d'accord, il y a Golo. On devrait ressortir un peu de Golo après tout, il n'y a pas de raison hein. Je suis sûr qu'on pourrait encore faire plein de trucs géniaux avec Golo. Bah ça va, comme j'ai pas du tout débordé et comme tout va bien, on va pouvoir y aller. C'est ça, Golo Golo dans la case. Eh bien, malgré toutes ces péripéties, la semaine dernière j'étais à Tours, à Tourentech, et c'était une chouette conférence, j'aime bien, une super ambiance, une jolie communauté.
comme j'adore. J'y étais avec Stéphane et Aurélie, on tenait la partie stand sponsor pour OVH. Et puis avec Aurélie, on avait un talk sur TinyGo. Donc j'étais ravi parce que, alors je l'ai vite fait, mais pendant le talk, mais donc déjà vous n'aurez pas de replay complet parce que malheureusement il n'y a pas le son visiblement, il y a l'image, mais il n'y a pas le son. La bonne nouvelle, c'est que visiblement j'ai passé mon examen, donc Aurélie veut bien qu'on soumette ce talk à d'autres conférences, donc ça aura probablement lieu dans d'autres endroits. Vous ferez les voix, nickel, impeccable. Écoute, je pense, Fanny, impeccable. Je te filerai les slides et ce qu'on a à dire. Et en lisant sur les lèvres, comme le disait Manon tout à l'heure, ça devrait passer. Ce talk, il était important pour moi, je pense pour Aurélie aussi. C'est que, challenge, vas-y, envoie. C'est que, en fait, TinyGo, ça a été un des premiers sujets techniques sur lesquels on a vraiment échangé avec Aurélie. On ne travaillait pas du tout ensemble à l'époque. Et on avait toujours dit, le jour où on peut, on fait un talk TinyGo. Donc le GDG Lyon s'en rappelle encore, puisqu'on ne l'a jamais fait au GDG Lyon. Mais voilà, c'était notre premier talk de conférence, tous les deux. Ça s'est très bien passé. Il y avait pas mal de démos avec du matos, mais ça s'est bien déroulé. Donc c'était vraiment cool. Et puis il y avait pas mal de gens curieux. Après, en dehors, j'ai eu plein de questions. Donc c'est toujours je continue de préférer pour mes montages perso. Globalement, je vais préférer dans l'ordre plutôt circuit de Python, un peu micro Python aussi. Et puis après, ouais, TinyGo est juste derrière. Donc, on m'a posé des questions aussi sur Rust que je ne maîtrise pas du tout. Donc, j'ai été franc et honnête que je l'utilisais pas parce que pour moi, c'était à mon sens, à moi, pour mes besoins à moi, ça correspondait pas. Et puis, le Rust en embarqué, c'est encore des projets. Déjà, TinyGo, il y a encore beaucoup de choses qui bougent, mais le Rust dans les plateformes embarquées, ça bouge encore plus. Donc, voilà, c'est juste moi personnellement, ça ne bouge pas trop. Après. Je lui ai clairement dit que je voyais pas de souci. Hop, à utiliser du C, du Rust, c'est toujours pareil. C'est valable pour tout. Utilisez le langage qui vous convient. Il n'y a pas de problème. Je vais vous partager tout de suite un petit quelque chose qui est en rapport. Donc avec ces bêtises de setup, évidemment, j'ai pas eu le temps. Ah putain. Donc là, ce que vous voyez pas, c'est que j'ai toujours, malgré les mises à jour, un problème de menu bouton droit dans OBS, j'ai aucun texte. Donc ça fait rien, j'ai pu vous faire le petit copier-coller que je voulais vous faire. Et voilà. Parmi les choses qui se sont déroulées à Tourentech, il y a eu un lightning talk par Bastien Jauny. Je pense que j'essaierai de le recontacter. Je lui ai promis vite fait en sortant de la salle de le recontacter. Je l'ai remercié parce qu'il m'a fait découvrir un outil que je ne connaissais pas. Donc son sujet de Lightning Talk, c'était faire de l'embarqué en remote et pourquoi pas. Et ça allait même un petit peu au-delà puisque ça parlait du côté testabilité, faire des CI et ce genre de sujet. Et dans le talk, donc celui-là aussi, je vais vous le donner de lien tout de suite. Il a parlé d'un outil que je ne connaissais pas. Donc peut-être que certains d'entre vous le connaissiez déjà, qui s'appelle Rhinode. Et Rhinode, l'idée, c'est ni plus ni moins que de proposer un environnement logiciel de simulation réelle d'un environnement pour de l'embarquer. Voilà, donc je vous laisserai consulter le petit site web. Ça utilise un langage qui va décrire en fait. Donc là, il donne un peu des exemples de ce qu'on peut faire avec. Hein, bien sûr, ça permet de développer un firmware, mais de le débugger peut-être plus facilement, de lancer les tests d'intégration, la CI étant capable de s'interfacer avec Renode pour lancer les tests en question, ce genre de choses. Moi, ce que j'y vois aussi, c'est la possibilité de tester un petit peu des architectures, parce que Renode va décrire potentiellement plusieurs devices, avec aussi, vous pouvez gérer des notions de réseau et autres. Et moi, ça m'intéresse de regarder tout ça. Comment ça fonctionne et si ça serait pas aussi une solution dans certains cas. Alors, des cas, je continuerai tant que je peux de faire des petits projets embarqués et puis de les amener et montrer le matériel physique en conférence ou en atelier, mais il y a peut-être des cas
pour démontrer d'autres sujets sur l'IoT où on ne centre pas sur l'objet qui va être, je sais pas, le capteur, enfin en tout cas l'outil d'interaction, du reste de toute la suite logicielle et d'infrastructure que vous voulez montrer. Donc il y a peut-être moyen d'utiliser ça pour démontrer le reste en fait. Donc je sais pas, je vais. C'est pour l'instant au stade, comme d'habitude, dans une conférence, ça rallonge les to-do list. Il y a une très très bonne doc, d'ailleurs, c'est pour ça que hop, je vous le montre en même temps, je vais zoomer un peu, mais je vous laisse consulter par vous-même tout ça. Je vais voir comment je m'installe un petit quelque chose, est-ce que je me fais une instance avec, ou si je me le fais en local, on va voir exactement comment je tourne et je fonctionne. La base, c'est que c'est quand même, j'allais dire, pour les gens sérieux de l'embarquer, parce que je ne me considère pas vraiment comme quelqu'un de sérieux pour de l'embarquer. Il y a énormément de profils de cartes à la base, des ST Micro, hein, les STM32, et puis des cartes un petit peu plus costauds comme voilà, la Xilinx. Et où est-ce qu'elle était celle-ci? Alors, il y a les cartes de chez Nordic. Ça m'intéresse aussi. Là, je vous le montre au passage parce qu'il y a aussi un profil pour l'Arduino Nano 33 BLE. Donc, ça m'intéresse aussi de voir ce qu'ils ont. Puis après, des cartes vraiment plus. Voilà, on change de gamme de prix, ça peut monter loin dans le monde de l'embarqué. Et donc c'est pas sur cette page, il y a un projet géré par Zephyr qui permet aussi d'avoir d'autres profils. Et si j'ai bien vu, il y a notamment les Raspberry Pi, pardon, les Raspberry Pico. Il y a aussi les Raspberry Pi d'ailleurs, qui peuvent être modélisés. Donc je verrai jusqu'où on peut aller. L'idée c'est que cette simulation, normalement, vous compilez votre firmware, vous êtes capable de le déployer tel que bien sûr sur. Sur la simulation concernée dans Renode. Donc voilà, moi j'ai plein d'idées qui vont me permettre, je pense, de prototyper des choses encore un peu plus vite. Voilà, j'ai pas du tout plongé dans le détail, notamment la partie networking pour faire de la connectivité, d'aller jusqu'à votre hôte pour faire de la communication avec le reste de ce que vous êtes en train de tester en termes d'infra et de logiciel. Mais en tout cas, voilà. En 15 minutes, c'était pas facile hein, pour Bastien. Ça a vraiment duré 15 minutes. Donc c'est parfait. C'est parfait et c'est à tester. Donc ça, c'était la première chose. Voilà, ça, j'ai ramené ça de Tours. J'ai aussi, bien évidemment, encore un grand merci à toute l'équipe d'Orga Tour & Tech. J'ai ramené le petit colis pour les speakers où il y avait notamment un peu de ces fameuses rillettes de Tours qui sont, je le confirme, excellentes, il n'y a pas de problème. Et sur le retour, j'ai écouté un de mes podcasts favoris, alors qui à la base est sur l'environnement, enfin tout ce qui est l'écosystème Python. Et là, ce dont je voulais vous parler, ça n'est pas lié spécialement à Python, mais c'est un projet qui existe déjà depuis un petit moment qui s'appelle Doku. Qui propose, alors ils se définissent comme une alternative open source à Heroku. L'idée étant d'avoir le même genre de command line qui était sympa avec Heroku, qui permet de. Ben voilà, les sources sont là, je manipule les mêmes notions d'objets derrière, les dynamos, les choses comme ça. Et puis je déploie mon application. Ça s'appuie. Sur bien évidemment Git et Docker, et voilà, c'est quelque chose avec lequel je suis à peu près sûr que je vais jouer. Je verrai ce que ça donne. Et ça, c'est vraiment le nœud, le cœur de Doku est vraiment on peut tourner vraiment sur des petites machines avec peu de ressources. Donc, j'ai hâte de regarder ce que ça donne. J'ai quelques petites idées autour du GitOps notamment. Ça fait longtemps que je veux explorer quelques pistes, donc je pense que dans ce cadre-là, je vais m'amuser avec ça, à créer des objets de coup, voir jusqu'où ils sont capables d'aller parce que j'ai vraiment pas regardé. Ça va relativement loin. Il y a pas mal d'interactions possibles pour supporter. Ben évidemment, quand on parlait d'Heroku, vous aviez des bases de données, vous aviez, enfin, il y avait des services, hein, c'est ça qui était intéressant. Et ils ont un système de plugins. C'est ce que je vous montre là sur cette page. Je ne sais pas si la page Explore Plugin est plus intéressante. Non, c'est pour. Voilà, c'est le détail de la doc. Donc voilà le projet Doku. Est-ce que je voulais voir en même temps? Non, c'est ça. Ouais, ok. Voilà. Et puis probablement, si je trouve que c'est sympa, il n'y a pas de raison. J'en profiterai pour faire peut-être un petit guide pour l'installer
sur une instance OVH, il n'y a pas de petit plaisir, parce qu'il n'y a pas de raison de laisser. Alors je vois qu'il y a Azure, DreamHost, que je connaissais pas, tiens, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient DreamHost Cloud Server, et DigitalOcean, évidemment, qui a proposé un droplet sur cette base. Voilà, je sais qu'ils ont une offre, alors dans le podcast, ils en parlaient, une offre pro, qui, alors, je sais pas s'ils donnent le détail là, je sais qu'il y a évidemment du support, et ils rajoutent, ah, voilà, c'est livré un peu différemment, il y a une API supplémentaire par-dessus, visiblement, enfin bref, ils rajoutent un peu du service en plus du côté support. Donc voilà. Si par hasard parmi vous, mais vraiment au hasard, il y a des gens qui travailleraient avec beaucoup de choses liées à Docker, je pense que Doku, ça peut être un truc sympa à regarder aussi. Voilà, donc je l'ai vraiment survolé tout à l'heure, elle est assez sympa. Il y a les petits trucs supplémentaires dont on a besoin quand on veut déployer ce genre de choses, de l'automatisation, pardon, de setup avec Ansible, tout ce genre de projet. Et voilà, le dernier truc que je voulais montrer, c'est qu'ils ont bien sûr envisagé un déploiement dans un. Alors c'est un cluster K3S, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas non plus. Au final, avec du cube, donc ça serait vraiment bien. Ouais, mais c'est par hasard, parce que t'arrêtes pas de dire des bêtises depuis tout à l'heure. C'est pas parce que je commande pas que je veux passer tes bêtises. Donc voilà, il fallait que tu sois impliqué aussi. Voilà. Et le dernier truc, alors faut juste que je le retrouve. Je voulais vous partager. Tac, je remonte 2 secondes pour les retrouver. Voilà, je peux le repartager. Je fais des gros bisous à Aurélie qui profite de vacances amplement méritées, mais qui bien sûr ne peut pas complètement lâcher l'affaire des sujets tech et qui a repartagé un message de Léa Linux qui concerne l'architecture interne des consoles. Et hop, je vais vous partager le post d'Aurélie. Tac. Il faut vraiment que je redresse mon OBS, là c'est chiant, c'est copier-coller. Hop. Voilà. Et si je vais jusqu'au bout, voilà. Ça donne ce genre de choses. Donc vous pouvez imaginer, même en vacances, l'effet que ça peut faire à Aurélie, qu'on détaille tout ce qui se passe dans sa Game Boy préférée. Non, c'est pas vrai, elle aurait bien aimé avoir la micro aussi. Il y a tout. Les instruction sets, il y a vraiment un boulot de dingue qui a été fait. Donc j'ai survolé pareil tout à l'heure, il y a vraiment plein de trucs super sympas dedans, les explications de la gestion des sprites, l'audio, enfin voilà, une mine. Donc merci à Léa Linux et surtout merci à Aurélie qui m'a permis de voir passer ça parce que je ne l'avais pas du tout vu. Alors, et je voulais. Tac, voilà. Il y a ce genre de choses. Il y a le détail d'une carte mère de GBA. Moi, je trouve ça cool. Et ça va jusqu'au diagramme. Tac. On peut faire un gros plan. Voilà. Donc, toutes les personnes qui aiment bien tout ce qui est écrire des émulateurs et autres, je pense que ça fait partie, mais ils doivent déjà l'avoir dans leur bookmark. Moi, je connaissais pas. Donc, je me suis précipité pour regarder ce qu'il y avait là-dedans. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que, par hasard, hop, je connais pas copetti.org. D'accord, donc il y a vraiment plein de choses sur plein de consoles. Je vois qu'il y a l'architecture de la Wii U, de la Nintendo 3DS, de l'Xbox 360. Et ils font des éditions libres après derrière. Il y a le PlayStation 2, la GameCube, Dreamcast. Ah bah il y a du monde. Il y a du monde. Si je passe par là, hop, Architecture of Consoles. Ah bah voilà, il y a du monde, il y a du monde. Avec un historique des consoles. Je pense que ça devrait plaire à pas mal de gens. Non, personne fait ça d'écrire des émulateurs. Mais des émulateurs là, excuse-moi Olivier, hein, malgré l'amour que j'ai pour l'Amstrad ou pour mon Spectrum, là on parle de console seulement. Et ben voilà, voilà les petites bricoles que je voulais vous partager aujourd'hui. Et hop,
Sur le dernier point, je ne sais pas si ça va marcher. Ah, c'est ça le problème, hein. Pas là de la semaine, donc après quand je reviens pour préparer des choses, ça patine. Voilà. Donc là, évidemment, je n'ai strictement rien préparé de la suite de ce que je voulais vous montrer. Alors, je vais faire un peu de magie dans votre dos pendant que vous tournez la tête, hein, vous regardez pas les horreurs qui peuvent se passer. Je retourne choper le dernier lien qui était patatin. Ah bah si, je vais vous citer. Si, si, je vais faire à partir de là. Hop. Voilà. Et moi de l'autre côté, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Bon, on va faire avec ça ira très bien. Hop. C'est le hasard. C'est encore une fois un lien grâce à Léa Linux. J'avais raté ce truc. Ça faisait un moment que je voulais en parler. Je l'avais évoqué comme ça, peut-être, ou montré dans certaines fois où j'ai besoin de faire des petites démos avec ça. Et j'en avais parlé à mes étudiants à l'IPI. Il est parfois nécessaire d'utiliser un petit serveur HTTP. Ça peut vous dépanner pour plein de sujets, voire même être utilisé dans plein de cas. Et Léa Linux met un lien sur l'excellent site de RealPython qui explique comment lancer un serveur HTTP en une ligne. Et je voulais vous le montrer parce que c'est un truc vraiment que moi j'utilise assez régulièrement. Je vais zoomer tout ça, bien entendu. Hop, on va mettre ça là. Juste vous montrer les bases hein, et après je vous invite à aller regarder l'article. Je vais aussi, tiens, ah, c'est cadeau, hein, c'est cadeau. Voici quelque chose qui devrait plaire. Quelque chose que j'ai appris grâce à Stéphane. Si vous allez dans la commande palette de VS Code, quand vous avez votre terminal là qui est ouvert, vous pouvez faire Move Terminal into Editor Area. Et si vous cliquez au miracle, le terminal est maintenant comme un éditeur, ce qui permet, pour faire des démos, c'est quand même vachement plus simple, je trouve, quand on ne veut pas switcher entre plein de contextes. Hop, et de taille d'écran. Donc là, ça devrait déjà pas être mal ce que je vais vous montrer. Non, je vais pas full screen, ça sert à rien là pour ce qu'on va faire, ça va bien aller. Donc vous voyez, je suis dans le répertoire où il y avait les exemples que j'avais utilisés là pour le talk TinyGo. Si, pour une raison donnée, vous avez besoin de servir des pages. Et ça y est, hop, voilà. Vous pouvez taper la simple commande Python-M pour dire que vous allez utiliser un module HTTP serveur qui inclut. Et à partir de là, vous avez un serveur qui va tourner, là, si je le laisse tel que, en port 8000. Ce qui fait que si je viens sur mon localhost sur le port 8000, eh bien, il me sert de manière statique ce qu'il a dans le répertoire. Donc, je peux naviguer dans les fichiers de la démo. Voilà, je peux me balader, aller voir un README et le télécharger, parce que ça reste du HTTP. Et je m'en sers, moi, des fois, pour récupérer des fichiers. Et donc, si vous revenez là, si vous dites que c'est pratique, la technique, ouais, moi, je ne connaissais pas. Merci Stéphane pour me l'avoir fait découvrir. De le mettre en éditeur, ça permet aussi un truc quand vous faites vos démos en conférence. Souvent, le bas de l'écran est moins visible pour les gens qui sont au fond de la salle. Donc, vous avez vraiment le haut de votre écran qui est exploitable. Donc, c'est assez cool. Et quand je dis que ça sert de manière statique, donc vous pouvez récupérer tous les fichiers qu'il y a là-dedans. Voilà. Si je veux un fichier Go, alors je ne sais pas s'il va me le servir. Voilà. Mais s'il ne sait rien en faire en HTTP, ben, il va vous proposer de le télécharger. Mais vous avez toujours la possibilité de faire un clic droit et enregistrer la cible du lien sous et vous récupérez vos fichiers. Donc oui, envoie ton PayPal, n'hésite pas Stéphane, hein, c'est avec plaisir. Donc ça, il y a plein de cas. Avant que Gitpod le fournisse directement, ça marchait pas au tout début, je lançais des serveurs comme ça quand je voulais récupérer, par exemple, si j'avais monté un workspace Gitpod où je faisais du développement embarqué pour une plateforme que je pouvais faire en local. Je compilais tout et puis je lançais le serveur HTTP, comme ça je récupérais le binaire directement, ça me permettait de me balader dans les fichiers.
Et c'est quand même bien pratique. Dans l'article, alors je vais vous montrer un truc qui peut vous arriver. C'est si, donc là je le laisse tourner, hein. Bien entendu, si je relance la commande, ben, là il va avoir un problème puisque l'adresse locale sur le port 8000 est déjà utilisée par le binaire précédent. Si tu mets, alors là je l'ai découvert, j'espère que j'ai l'option tirer D permet de pointer uniquement un répertoire, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc j'ai l'autre qui est sur le port 8000, mais rien ne m'empêche par exemple de lancer celui-ci sur le port 8080. Vous voyez, donc là il n'y a pas d'erreur. Après ça va rien changer, donc vous allez rien voir de particulier. Mais si je lui rajoute, bon, tout à l'heure je vous ai montré qu'on pouvait aller, si, ben justement, qu'on allait dans Gopher, je peux lui dire tu sers en statique, mais uniquement ce répertoire-là. Et si je vais sur le port 8080, donc si je laisse le port 8000, c'est celui de tout à l'heure, je vois tout ce qu'il y avait. Et si je vais sur le port 8080, j'ai bien uniquement le contenu du répertoire Tinygo Examples qui est servi. Donc vous pouvez avoir un petit peu de finesse dans le service de vos fichiers. Je vous montre rapidement ce qu'il y a aussi dans l'article. Vous voyez, il y a tout le sommaire qui est là. Le basique, c'est ce que je vous ai montré, comment lancer un petit serveur HTTP. Alors bien sûr, hein, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, on n'est pas en train de dire qu'on est en train de remplacer tout ce qui est dynamique. On ne remplace pas un Django, un Flask ou un FastAPI, mais bon, ça rend bien service. Dans les explications, il y a plein de petits exemples que vous allez retrouver. C'est un peu ce que je vous ai montré là, mais on peut aussi changer l'adresse d'écoute pour pas écouter sur le 127.0.0.1, mais écouter sur autre chose. Enfin bref, il y a toutes les options possibles et imaginables. Qu'est-ce qu'il y a dans les petites options sympas? Non, je crois que c'est à peu près tout. Et après, si je repars du sommaire, il vous explique comment, à l'ancienne, avoir le côté CGI, qui était la première façon d'avoir quelque chose d'un peu dynamique dans le web. En gros, vous allez lui dire que vous servez en statique un certain nombre de fichiers, mais que tel répertoire contient en fait des éléments exécutables. Éléments exécutables qui peuvent bien sûr retourner aussi du HTML. C'était les prémices des parties dynamiques des sites web. Ben, on peut toujours le faire avec ce module-là et mettre là par contre un autre script Python exécutable, du Perl, du Ruby, du Rust, un binaire, enfin quelque chose que vous avez déjà. Tout ce qui peut s'exécuter directement peut se mettre dans ce répertoire et ça fonctionne. Après, il y a toute une partie où, bien sûr, hein, je vous laisse lire tout l'article après, mais qui propose à partir de cette base. Toujours, vous avez vu, je l'ai lancé en faisant un appel à l'option -m pour dire c'est le module HTTP serveur. Le module en question contient bien sûr un certain nombre de classes et de méthodes qui permettent de manière programmatique de rajouter ces fonctionnalités. Donc vous pouvez vous retrouver avec de la gestion dynamique. Et notamment, il y a la capacité avec ce module, malgré tout, de gérer les GET et les POST. Donc il y a un exemple qui vous donne les bases d'avoir, pour la peine, un bout de back-end dynamique de site web. Et puis après, il y a toute la partie sur comment avoir un certificat, comment le générer, comment, voilà, tout ce genre de choses. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a plein d'usages pour ce genre de petits outils. Je sais pas, imaginez, vous êtes en SSH sur une connexion. Oui, ok, vous pouvez faire du SCP dessus, et c'est ce que je vous conseille de faire dans la plupart des cas. Mais vraiment, si rapidement vous voulez récupérer un fichier, vous ne lancez pas l'artillerie lourde. Si la machine est accessible de manière publique par une IP et un port, hop, vous balancez un petit Python mServer, vous récupérez le fichier, vous l'éteignez et roule, quoi. C'est pas, y a parfois des cas d'usage en développement qui sont quand même assez intéressants. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. Et j'essaierai de garder tous les onglets que j'ai ouverts pour faire le sommaire pour le replay. Je dois encore être à la bourre de la fois d'avant. Je sais plus où j'en étais, tiens, dans mes replays. Probablement que j'ai pas tout mis, mais je vais continuer. Une fois que j'aurai identifié d'où vient le problème de ce setup, je vous en avais parlé la semaine dernière, ça s'est encore aggravé, vous l'avez vu au début. En sachant que bien sûr, la machine qui me sert à faire le Twitch que vous voyez maintenant, il y a 10 minutes avant, même emplacement, même câble, même setup de tout le reste, j'étais avec une autre machine, tout fonctionnait évidemment, et elle était censée être identique. Donc super, j'aime bien, c'est tout l'aspect de l'informatique que
ça ne me passionne pas du tout. Mais c'est pas grave. Eh bien, je vais vous laisser là, à moins qu'il y ait des méga questions qui apparaissent. Je vais faire un petit tour là du chat. J'ai loupé pas mal de vos bêtises, ça je sais, parce que je les ai vues du coin de l'œil. Tac, tac, tac. Non, mais je vois pas de questions particulières. Donc, c'est parfait. Eh bien, pour ma part, je vais aller prendre un petit café. Vous faites comme vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée. Vous savez que, hop, la mascotte, là, que vous voyez apercevoir, elle va passer une excellente journée parce qu'elle reste avec moi, planquée dans un coin. Ça lui va bien. Et puis, j'espère à bientôt, pour la plupart d'entre vous, pour le prochain calme. Et puis les autres, j'espère que je vous recroiserai aussi rapidement. Ciao, bonne journée, bonne semaine, plein de bisous!